Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Mes abonnés, je vous bénis, ainsi que les amis, les frères, les sœurs et mes ennemis aussi. Bon. Je crois que le téléphone il est bien placé, on doit bien m'entendre normalement. Je ne pas placé comme dame. pas tout à fait. Faut pas que ça vibre parce que sinon il va se casser la gueule, le téléphone. Hein euh, vibre pas, hein Voilà, Et tu restes tranquille, hein Voilà. Et... Bon. On remet que je vais le mettre à côté parce que le livre n'est pas très grand. Je pourrais le mettre à côté de, à côté de moi, mais. Mais, mais, mais. Il y a la tasse. Taille... Oh non, il faut mieux que je le mette du côté que j'y vois, parce que si je le mets du côté que j'y vois pas, euh, non, il vaut mieux pas. Bon, vas-y. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien lire, moi hum... Là, je suis dans, An... euh, dans le livre de Nagamadi. Hein, les manuscrits de Nagamadi. J'ai envie de relire un petit morceau. Euh... Un petit morceau. Alors, là, il y a Judas qui dit à Jésus. On y va. pourquoi encore pour l'amour de la vérité est-ce qu'il meurt et vive le seigneur dit tout ce qui est né de la vérité ne meurt pas tout ce qui est né de la femme meurt marie dit c'était marie-madeleine dis-moi seigneur pourquoi je suis venue en cet endroit pour tirer profit ou pour perdre le seigneur dit tu as rendu claire la plénitude du révélateur marie lui dit Seigneur, y a-t-il alors un endroit qui est, il manque un mot, ou manque de vérité Le Seigneur dit, l'endroit où je ne suis pas. Marie dit, Seigneur, tu es épouvantable et merveilleux. Et, il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot, il manque quatre, quatre mots en tout. Ceux qui ne te connaissent pas, Matthieu dit, pourquoi ne vous reposons-nous pas ne nous reposons-nous pas tout de suite. Le Seigneur dit, quand vous renoncez, cela pèse. Matthieu dit, comment le petit se joint-il tout seul au grand Le Seigneur dit, quand vous abandonnez les œuvres qui ne seront pas capables de vous suivre, alors vous vous reposerez. Marie dit. Je veux comprendre toutes les choses exactement comme elles sont. Le Seigneur dit, Celui qui cherchera la vie, car cela est leur richesse, car le, il manque un mot, de ce cosmos est, il manque un mot, et son or et son argent sont trompeurs. Ses disciples lui dirent, Que devrions-nous faire pour garantir que nos œuvres seront parfaites Le Seigneur leur dit. Soyez prêts face à tout, heureux soit l'homme qui a trouvé, il manque un mot, il manque un mot et il manque un mot, ça fait trois mots, le combat, il manque un mot, ses yeux, il, alors là il y a un drôle de mot parce que franchement il y a une lettre, on croirait que c'est une lettre de, c'est bizarre, ah ouais d'accord, euh, oui c'est vrai j'avais déjà lu ça ses yeux il alors après il y a il euh, y a des virgules vous savez des, 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 des virgules mais pas arrondies mais en carré enfin c'est des cases euh, des fois on met des des croissants là des croissants de lune là, pour euh, faire des oh je sais plus comment ça s'appelle là euh, sauf que là c'est différent c'est carré c'est pas rond voilà pour mettre un entre deux alors il y a euh, les, les barres comme ça après il y a un un n dedans <coughs> Avec un petit 1 en haut, après il y a A, puis après ils le font, puis après ils mettent pas. Donc on, on, on met ses yeux n'a pas tué, ni il n'a été tué, mais il est venu victorieux. Judas dit, Dis-moi Seigneur, quel est le début de la route Il dit, L'amour et la bonté, car si l'un d'eux avait existé parmi les gouverneurs, l'iniquité ne serait jamais née. Matthieu dit « Seigneur, tu as parlé de la fin de tout sans inquiétude. » Le Seigneur dit « Vous avez compris toutes les choses que je vous ai dites et vous les avez acceptées sur la foi. Si vous les avez sues, alors elles auraient été vôtres, sinon elles ne seraient alors pas les vôtres. » Il lui dit « Quel est l'endroit où nous allons ?» Le Seigneur dit « Soyez à l'endroit que vous pouvez attendre, euh, atteindre. » pardon. Marie dit, Marie-Madène, tout ce qui est créé est donc vu. Le Seigneur dit, je vous ai dit, que c'est celui qui peut voir, qui révèle. Ses disciples, au nombre de douze, lui demandèrent, Maître, il manque un mot, 143, il manque un mot, Sérénité, il manque un mot. <coughs> Enseigne-nous, il manque un mot, il manque un mot. Le Seigneur dit, Tirait, il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot. Ça fait trois mots plus un tiret. Tout ce que j'ai... Il manque un mot, il manque un mot. Vous allez, il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot. Et entre deux, euh, entre deux euh, des deux mots là qui manquent, il euh, y, a, y a les espèces de bah, de virgule, de machin qui sépare euh, en carré, mais il y a rien dedans. Après, vous allez, il manque un mot, il manque un mot. Après vous, il manque un mot, il manque un mot et tout. Voilà, c'est dommage qu que les fourmis ont bouffé les livres. Hein. On aurait pu apprendre beaucoup de choses, hein, les gars. Hein. Quoique j'ai eu des révélations par le père quand même. Hein. Mais bon, Marie dit Il n'y a qu'un seul dicton dont je parlerai au Seigneur concernant les mystères de la vérité. En cela, nous avons pris notre position et nous sommes transparents à l'universel. Judas dit à Matthieu Nous voulons comprendre de quelle sorte de vêtements nous serons habillés quand nous quitterons la décomposition de la chair. Le Seigneur dit Les gouverneurs et les administrateurs possèdent les vêtements octroyés seulement pour un temps, qui, du qui ne durent pas. Mais vous, en tant qu'enfant de la vérité, ce n'est pas avec ces vêtements transitoires que nous, vous allez vous habiller, plus exactement. Je vous dis que vous serez béni quand vous, vous déshabillerez, car ce n'est pas grand-chose. 144 000. C'est marqué 144. Il manque un mot, il manque un mot, dehors. Mais 144, ça parle bien des 144 000. 144 000, c'est 144 000 anges. Les anges de, de Yahvé, de l'Elohim. Après, il y a un tiret, il manque un mot, parle, je, il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot. C'est pas marqué dans le livre, mais je le dis. Je, dis. je dis tout ce que je peux faire comme découverte, cou ou des fois, j'ai des révélations et j'en parle aussi. Voilà, le Seigneur dit, mais là, il y a quelqu'un d'autre qu'on a parlé dans une vidéo, et c'est exactement ce que j'ai eu comme révélation. Euh, voilà. Tout en lisant les livres apocryphes, la Bible et puis euh, la Torah, euh, ben ça se, rejoint, hein euh, ça se rejoint. Le Seigneur dit, oui, parce qu'il faut, il faut quand même faire la différence entre, euh, comment dirais-je, oui, comme ils font la traduction en grec, des fois, ils mettent des mots qui ne veulent pas dire la même chose. Donc, ça déforme la parole, ça déforme la parole, ça ne veut plus dire pareil. C'est pour ça qu'il faut lire tous les livres, étudier tout. Et surtout écouter le Père comme il nous envoie des, des réponses. Ouais. Par l'Esprit Saint. Hein Il est en nous, le Père. Et le Fils aussi. Donc, il faut l'écouter. Voilà. Bon. c'est que j'en suis, moi Le Seigneur dit il manque un mot. Tirez, il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Votre Père, il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Marie dit de quel genre est cette graine de moutarde Est-ce quelque chose du ciel ou est-ce quelque chose de la terre Le Seigneur dit. Lorsque le Père a créé le cosmos pour lui-même, il a laissé beaucoup de la mer du tout. De la mer du tout. Ça vous parle oui. Par conséquent, il parle et il agit. Beaucoup de la mer du tout. Mère comme une mère, comme une maman. Tout nous a dit de cela en dehors de l'esprit de la vérité. Quand nous prions, comment devons-nous prier? Le Seigneur dit priez dans le lieu où il n'y a pas de femmes. Matthieu dit priez dans le lieu où il n'y a pas de femmes. Nous dit-il, signifiant détruire les œuvres des femmes. Non, pas parce qu'il existe une autre manière de naître, mais parce que elles cesseront de donner naissance. Mmh. Marie dit. Elles ne seront jamais annihilées. Le Seigneur dit. Qui sait qu'elles ne se dissoudront pas? 145 à un chiffre et ah, il manque un mot. Alors il en manque plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait beaucoup. Hein. Judas dit à Mathieu. Les œuvres des femmes se dissoudront. Il manque un mot. Les gouverneurs iront. Il manque un mot. Il manque un mot. Il manque un mot. Ainsi nous serons prêts pour eux. Le Seigneur dit. Bien. Car vous voit-il, voit-il ceux qui vous reçoivent Maintenant, voyez, une vraie parole vient du Père vers l'abysse. En silence, avec un éclair, en donnant naissance, la voit-il Ou la maîtrise-t-il Mais vous êtes bien plus conscient de la route, celle-là, avant, qu'un ange ou une autorité est. Plutôt, elle appartient au Père et au Fils. Parce qu'ils sont tous les deux un seul. Bah, ils ne font qu'un, il manque un mot. Et vous irez sur la route que vous avez connue, connue. Même si le gouverneur devienne immense. Ils ne seront pas capables de l'atteindre. Mais écoutez, je vous dis qu'il est difficile de l'atteindre, même pour moi. Marie dit au Seigneur Quand les œuvres, il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot, qu'il dissout une œuvre. Le Seigneur dit. Bien, car vous savez, il manque un mot, il manque un mot. Si je sous, il manque un mot, il manque un mot, il ira à sa place. Judas dit, comment l'esprit est-il apparent Le Seigneur dit, comment l'épée est-elle apparente Judas dit, comment la lumière est-elle apparente Le Seigneur dit, il manque un tiret, -il, il manque un mot, il manque un mot. En elle, pour toujours. Judas dit. Qui pardonne les œuvres de qui Les œuvres, qui Il manque un mot, il manque un mot. Le cosmos, il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot. Qui pardonne les œuvres Le Seigneur dit Qui pardonne Qui euh, Non, non, c'est pas marqué ça. Qui, par qui Il manque un mot, il manque un mot. C'est marrant, ça, j'ai rajouté les mots qui manquent. Oh, la vache. Il appartient à celui qui a compris les œuvres du fait de la volonté du Père. Et comme vous évertuez-vous à vous débarrasser de la colère et la jalousie et à vous dévêtir de vos... De vos bah, Il manque un mot, il manque un mot. Et à ne pas, il manque un mot, il manque un mot. 147, il manque un mot, il manque un mot. C'est un chiffre qu'ils mettent. Il manque un mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mots, il manque. Reproche après. Il manque un mot, car je dis, il manque un mot, il manque un mot, il manque un mot. Vous prenez un, deux, trois, il manque mot, il manque trois mots. Vous, il manque un mot, qui a cherché, ayant, il manque deux mots, celui ira, il manque un mot, il vivra toujours. Et je vous dis, il manque un mot, afin que vous ne conduissiez, que vous ne conduissiez vos esprits et vos âmes à l'erreur. Là, c'était euh, c'était la parole du le dialogue du Sauveur. Dommage qu'il manque tant, tant de mots, mais des fois euh, l'esprit m'indique euh, que oui, vas-y. Excusez-moi, je bois un coup, hein, j'ai soif. Bah, à votre santé. Hein. Ouais, je bois du café. Hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas de l'alcool. <laughs> hum, voilà. Je sais, j'ai déjà lu tout ça, mais c'est intéressant. Il y en a qui ne connaissent pas et qui ne sont pas forcément tombés sur mes vidéos auparavant. Note débute comme une lettre de for formelle d'une professeure à ses disciples, puis prend l'allure d'un discours sur la révélation. En cela, l'influence chrétienne n'est pas apparente avec quelques omissions mineures et une majeure. Elle fut employée. Et quelques omissions mi mineures et un majeur. Ouais, c'est ça. Et une majeure. Bah oui, c'est ça. Elle fut employée par un éditeur gnostique chrétien lorsqu'il composa la Sophia ou Sagesse de Jésus Christ. Sous cette forme, la Sophia de Jésus Christ est un discours sur la révélation donnée par le Christ ressuscité en réponse en question de ses disciples. Ainsi, le fait de mettre en parallèle les deux traités dans ces éditions permet de voir le processus par lequel un traité non chrétien a été modifié et transformé en un traité gnostique chrétien. En se basant sur le modèle fourni par les deux, les spécialistes ont présumé que le même processus pourrait avoir été employé pour d'autres écrits gnostiques chrétiens, tels l'évangile des Égyptiens et l'Apocalypse de Jean. Eugnotz semble s'adresser à un grand public qui s'intéresse à certains problèmes philosophico-religieux. La Sophia de Jésus-Christ Parlait à un public pour qui le christianisme était un élément additionnel à leur enseignement environnement pardon, religieux. Le, plus le public pourrait avoir été composé de gnostiques non chrétiens qui connaissaient déjà le gnost. Dans la Sophia de Jésus-Christ, en associant au Christ la prédiction, la prédiction située à la fin de Gnost, l'éditeur a peut-être espéré les persuader que le Christ était la deuxième incarnation du Sauveur gnostique. Ou bien le public pourrait avoir été constitué de chrétiens gnostiques. oui c'est ça. Et l'éditeur a peut-être voulu les persuader que la religion révélée par le Christ était un christianisme gnostique. Peut-être aussi que l'éditeur avait ces deux groupes à l'esprit. Je suis doume à 15, oula. Voilà, Exnost semble avoir eu pour principale attention d'affirmer et de décrire l'existence d'une religion invisible au pra-céleste, derrière le monde visible, une région qui n'était pas reflétée par les spéculations des philosophes, dont les points de vue tels qu'ils sont écrits ressemblent à ceux des, des stoïques, des épicuriens et des astrologues babyloniens. Les instances dirigeantes de cette région sont composées d'une hiérarchie de cinq principaux êtres divins. Le Père inengendré, son reflet appelé l'autopère. La puissance hy hypostase de l'autopère, l'homme immortel qui est androgyne. Le Fils androgyne de l'homme immortel, le Fils de l'homme. Et le Fils androgyne du Fils de l'homme, le Sauveur les noms des aspects féminins de ces trois derniers comprennent le terme sophia ces êtres divins ont chacun leur propre sphère ou éon et de nombreux êtres subordonnés et préposés un groupe spécial appelé la génération sur laquelle il n'y a pas de royaume parmi les royaumes qui existe a pour origine et véritable patrie le père inengendré un deuxième groupe composé de six êtres divins provient des cinq premiers. Il est dit qu'il ressemble au premier l'ineffable joie et l'indicible jubilation caractériste en l'existence dans la région supra-céleste et de la, prov la proviennent les systèmes ou genres que les créations suivantes à la suite d'un passage résumé 85,9-21, le traité a pour conclusion une annexe qui traite du royaume de l'homme immortel, qui est notre éon, Uxnost, montre l'influence du royaume au domaine transcendant sur ce monde, avec une brève exception, 85,8, ça c'est des passages de. Il ben, les note comme ça, qui est probablement un ajout éditorial. L'influence est bénigne, bénigne, ainsi que Uxnost ne peut pas être considéré comme un texte gnostique au sens classique. Dans la Sophia de Jésus-Christ, les points majeurs suivants sont ajoutés. Le Sauveur, Christ, est venu d'une région supra-céleste. Ouais, tu pourras tirer euh, le chasse d'eau, euh, vas-y. Hum, 3, 93, 8, 10, 94, 10, point 14. Euh, non, pas point point 10 14. Ouais, bah, je sais pas. Sophia est responsable de la chute des gouttes de lumière issues du royaume divin en tombant dans le monde visible. Qui est plus S. Il existe un Dieu qui, avec ses puissances subordonnées, règne directement sur ce monde au détriment de ceux qui proviennent du royaume divin. Heureusement que je l'ai dit de tirer à chasse d'eau. Hein. Bon. Oh là, là 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 Bah non, je te l'ai dit. Oui, oui, oh, ça va, ça va. Ça va, c'est dans ma vidéo, là, ça va. Ferme-la. Ouais. Oh, je te rénerve, oh. oh tu je parle pas pareil comme je m'adresse à toi, non Ouais excuse-moi. Bonne nuit. Oui, oh, ça va faire chier. Il me gâche ma, ma vidéo là, vas-y. Oh punaise. Aïe 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 ça va être dans la vidéo. Bon, bah tant pis, hein, et vas-y, hein. Il est suggéré que le sexe constitue le moyen par lequel est perpétué l'asservissement aux puissances. Mais le sauveur Christ a coupé les liens imposés par les puissances et enseigne aux autres d'en faire autant. Bon, mais il ne peut pas se, se fermer son clapel. Hein Punaise, il continue, non mais. Oh putain de merde, j'ai pas le droit de m'exprimer. de oh, toute façon, il y a toutes sortes de cons sur hein, terre. Hein, Excuse-moi. Hein. Moi, je suis, suis con des fois, hein, mais bon, euh... il y a cons et cons. Hein. Ouais, il y a des cons gentils puis des cons cons qui sont cons. Mais oulala, là là. oulala. Là là. Bah, tiens, ça me rappelle quelqu'un. <laughs> Bon, je reprends, deux classes de personnes seront sauvées, celles qui connaissent le Père par pure connaissance, c'est-à-dire comme le décrit la Sophia de Jésus-Christ, et qui iront en lui, et celles qui connaissent le Père de manière défectueuse, qui iront au huitième. En outre, il convient de noter que les disciples cités dans la Sophia de Jésus-Christ, Philippe, Matthieu, Thomas, ba Barthélemy et Marie, reflète une tradition au sein du gnosticisme et les disciples sont gnostiques de manière distinctive et sont mis en contraste avec un certain régularité une certaine régularité pardon, et de diverses façons avec les disciples orthodoxes ou orthodoxes. orthodoxes ou orthodoxes. C'est quoi ce boucan que j'entends Ah, oh ouais, il y a du feu d'artifice. Virence gnostique principalement Pierre et Jean. La notion de trois hommes divins dans la hiérarchie céleste semble être basée sur la Genèse 1-3. L'homme immortel égale Dieu, le Fils de l'homme égale Adam, le Fils de l'homme de l'homme, le Sauveur égale 7. Ah, Seigneur Jésus! En raison de la présence de Seth, bien qu'il ne soit pas nommé dans le traité, Ecnote, doit dans un certain sens être considéré comme sétien. Néanmoins, comme il n'est pas classique, comme gnostique et manque d'autres éléments de la pensée sétienne, abouti, il ne peut seulement être au décrit que comme proto sétien Seigneur Jésus. Ah oh la vache. Si vous saviez ce que je sais, bon, hein, je garde ça pour moi. Hey. Eh ben oui, c'est à vous de travailler puis d'avoir les révélations si vous devez les avoir. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que je sais sur des secrets. Eh non, ça fait partie de moi-même, ça. Ça fait partie de mon histoire. <coughs> La pensée religieuse égyptienne semble avoir été influencée sa représentation du royaume supracéleste. Ainsi, le, proba le probable lieu d'origine de est l'Égypte. Le fait que les stoïques épicuriens et astrologues soit appelés tous les philosophes suggèrent une date très ancienne cette peinture aurait été appropriée au 1er siècle avant Jésus-Christ mais pas ultérieurement œcnoste et la sophia de Jésus-Christ pourraient avoir influencé les sophistes à tient comme les décrits Irénée on a proposé une influence de ce sur la sur Deuc, Deucnost, sur la valentinianisme en raison de la datation d'euxnot il ne serait pas surprenant que la sophia de jésus-christ ait été composée juste après l'avènement du christianisme en égypte dans la seconde moitié du 1er siècle cette possibilité est soutenue par le ton relativement non polémique du traité les deux versions d'euxnot diffèrent l'une de l'autre sur les points significatifs attestant un usage sur une longue période les deux versions de la sophia de jésus-christ sont c'est très proche. La traduction suivante est basée sur la version de Code 3. Les autres versions ont été employées lorsqu'il manquait des pages et là où le texte nécessitait une restitution. Voilà, j'arrête ici parce que je ne sais pas si elle va passer. Sinon, je recommencerai. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis et je vous dis à demain. Je bénis mes amis, tout, tout le monde, même mes ennemis. Voilà. Salut.